M. Blondin. Oui. Alors, ça s'enligne, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, sur un vote positif pour ce projet-là qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, effectivement. Je pense que le pouls, en tout cas, l'intervention de certains collègues autour de la table fait en sorte que le projet devrait voter, ça devait être en faveur là, ce soir. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance, à votre avis? Ben écoutez, je pense que la dernière fois, ce que Mme Bureau avait demandé, c'est de donner la chance d'aller rencontrer le promoteur. Les gens ont voté dans ce sens-là, de lui donner la chance. Alors, la proposition revient sans modification. Mais là, il est temps de voter. Puis je pense que les gens ont dit, bon, les négociations n'ont pas porté fruit comme Mme Bureau souhaitait. Et les gens vont voter pour le projet. Est-ce que la menace de poursuite a joué dans ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question aux collègues. Moi, ce que j'avais mentionné la dernière fois, c'est d'être prudent. Si on refuse le projet, il faut avoir des bonnes raisons pour refuser le projet. Le projet a été proposé par nos services, proposé par l'urbaniste, le comité de l'urbaniste. Et pour refuser, ça nous prenait vraiment des bonnes raisons. Alors, est-ce que ça a penché? Je ne sais pas. Vous pensez quoi de la position de Mme Bureau qui a dit, même si elle va voter en faveur, que ça risque de devenir le comparable puis que ça pourrait être problématique pour l'avenir du patrimoine dans ce secteur-là? Écoutez, je pense que Mme Bureau, elle a une certaine crainte au niveau de ce qui peut s'en venir comme projet sur la rue principale, mais je peux la rassurer, c'est que tous les projets passent à l'urbaniste et on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi non plus. Donc. Alors, je peux la rassurer là-dessus, là. Elle n'a pas à s'inquiéter pour ça. Là. Mais ce que Mme Bureau dit aussi, c'est que les règlements, la réglementation qu'on a en place à Amber ne concorde pas avec notre volonté de protection du patrimoine. Il y a plusieurs choses réglementaires à changer. Comme président du CCE, êtes-vous d'accord avec elle là-dessus? Ben écoutez, ne concorde pas avec ses orientations, Mme Bureau, et sur les orientations du Conseil du patrimoine d'Elmer. Alors, c'est de voir avec eux exactement comment est-ce qu'ils voient ça, comment est-ce qu'ils voient le développement de la rue principale. Il y a déjà des normes au niveau de la rue principale qui existent. On ne peut pas faire n'importe quoi sur la rue principale. Là. On veut rassurer les gens de ne pas s'inquiéter. Là. On n'ira pas mettre un 30 étages sur la rue principale et un bâtiment... super futuriste principal. Mais il va falloir... oui, on est prêt à écouter. Puis Mme Bureau a dit qu'elle voulait s'en venir avec un PPU. On s'en vient avec ça éventuellement. On va écouter les demandes, puis on va travailler dans ce sens-là. Est-ce qu'à votre avis, la réglementation en place est suffisante pour protéger et intégrer, pour protéger le patrimoine et intégrer des bâtiments en respect de ce qu'il y a déjà? Pour protéger les bâtiments qui sont déjà existants, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, on s'entend que le 22 principal, c'est un terrain de stationnement là, sur terre. Alors, c'est une insertion en milieu patrimonial. Est-ce que la réglementation permet des insertions harmonieuses? Oui, présentement, oui. Je suis pas inquiet là-dessus.